que les enchantements qui protègent le château fonctionneront aussi contre une attaque souterraine. Je crains que non, mais si ce n'est pas encore le cas, ça ne tardera pas. Avez-vous pu contacter le professeur Weasley ? Oui, avec un peu de chance, elle et les autres ne tarderont pas à arriver. Ils savent où trouver la porte. Nous avons connu pire, professeur. Vous avez raison, professeur. On ne peut rien faire d'autre que poursuivre les recherches. Professeur, par ici.
ont réussi à traverser les charmes défensifs du château. Il faut bouger. Nous sommes au cœur du combat. Nous allons montrer à ces créatures qui commande. Que nous sommes arrivés avant Ranrok. Je n'arrive pas à y croire. Dire que le dépôt se trouvait sous le château depuis des siècles. Quand on pense à toute la souffrance qu'il a engendrée, c'est pour cela que Myriam, Georges, votre ami Lodgok et bien d'autres sont morts.
Myriam pensait que cette magie oubliée pouvait être utilisée pour faire le bien, mais elle ignorait les risques. Elle n'a pas vu ce que les gardiens vous ont montré, ce qu'Isidora vous a montré. Vous êtes désormais responsable du pouvoir de ce secret. Quel usage pensez-vous en faire ? Je ne prévois pas de toucher au dépôt. Je suis ravi de l'entendre. J'ai bien réfléchi. Oui, professeur. J'ai passé l'année à essayer de cacher notre voyage à tout le monde, y compris au professeur Weasley. Mais aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû lui en parler, leur en parler plutôt. J'aurais dû leur faire confiance. Les gardiens voulaient que ce secret soit enfermé pour toujours. Combien de temps le garderez-vous ? Les gardiens avaient raison. Utiliser cette magie est bien trop risqué. Elle doit être contenue, à jamais. Je comprends. Et vous n'êtes pas seul. Je ferai tout mon possible pour vous aider. L'arrogance sans borne des sorciers. Les gobelins ont construit ce bâtiment. C'est notre propriété. Assez, Ranrock. Il n'a jamais été à vous. J'avais bien envie de jouer avec ceci. La baguette de Myriam. Si elle leur avait juste donné le réceptacle, tout cela aurait pu être évité. Une sorcière trop fière et imprudente. Vous alliez si bien. Du pouvoir du dépôt. Les sortilèges n'ont aucun effet sur le dépôt. Pathétique. Ne vaut rien face à la mienne. Je vais vivre. Thank you.
pas fuir indéfiniment, Ranrok. Cette fois, Ranrok.
Myriam, vous aurez adoré mon enfant. Le monde des sorciers ne pourrait être entre de meilleures mains. Professeur Eleazar Figg, je présume qu'il était très apprécié de nombre d'entre vous. C'était un collègue de longue date pour ses pairs. Son goût pour l'aventure et sa soif de connaissance lui ont valu la réputation de foncer dans l'inconnu, souvent au mépris du danger et sans aucun discernement. Ce qui a eu au moins le mérite de nous donner une leçon à tous. Sa grande passion pour l'aventure ne pouvait être égalé que par son dévouement envers Poudlard. Et envers sa femme, Marie, Myriam, qui nous a quittés trop tôt également. Oui. Le professeur Figg représentait le meilleur en chacun de nous. Oh, il avait un esprit tellement acéré. C'était un homme très brillant, qui aimait faire des découvertes, et il était d'une loyauté sans faille. Mais c'est sans doute grâce à son incroyable courage que son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs. Car sans le professeur Figg, eh bien, je crois pouvoir affirmer que sans cet homme, nombre d'entre nous, et cette école également, ne seraient plus là aujourd'hui. Ceux qui le connaissaient le mieux savent que nous devons maintenant l'honorer comme seul Poudlard peut le faire, en affrontant avec sagacité, bonté et courage toutes les épreuves qui nous attendent. Au professeur Figg. Je n'aurais jamais imaginé assister aux funérailles d'un de nos professeurs. Je suis content que Weasley ait rendu hommage à Figg. On se souviendra de lui en bien. Si seulement quelqu'un avait fait de même pour Solomon Palo. Il faut que j'aille voir Anne bientôt. Oh, Minis, il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos de Victor Rookwood. J'ai entendu dire que vous vous étiez affronté près de chez Ollivander. Ça a été un sacré combat, apparemment. C'est vrai, c'est ce qu'il s'est passé. Mais ce n'est pas tout. Juste avant que Rookwood n'attaque, il a dit quelque chose. Les mêmes mots qu'Anna a entendus avant de recevoir un mauvais sort. Les enfants doivent être vus et non entendus. Attends, qu'est-ce que tu dis ? Ce n'est pas un des fidèles de Ranrok qui a jeté un mauvais sort à Anne. C'était Victor Rookwood. Tout est sa faute depuis le début. C'est impossible. La nuit où Anne a reçu ce mauvais sort, on n'a vu que des gobelins. Tu vois, comme Ranrok s'intéressait à Feldcroft, Rookwood s'y est intéressé aussi. C'est pour cette raison que Rookwood était là, la nuit où Anne a été maudite. Il travaillait avec Ranrok. Quand il a vu Anne, eh bien, il ne voulait pas que quelqu'un le sache. Alors il lui a lancé un maléfice. C'est si cruel. Rookwood n'a eu que ce qu'il méritait. Merci de m'avoir raconté ça. Anne et Sébastien méritent de le savoir, et c'est à moi de leur dire. Comme convenu, j'ai parlé à Black. Sébastien est avec le directeur en ce moment, mais il y a peut-être un moyen de l'informer. Dès que je l'aurai trouvé, je t'enverrai un hibou.
Je crois savoir où se trouve Doran. Rejoins-moi dans la forêt interdite, et nous pourrons lui parler du symbole créé par les Veaux de Lune. J'ai des nouvelles de Sébastien. Retrouve-moi dans la crypte dès que possible. Merci d'être là. Ominis, j'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé avec Sébastien ? Il a été exclu, et il sera bientôt jugé au ministère. Anne voulait le dénoncer, mais je pense qu'elle est tiraillée. Et je dois avouer que je la comprends. Même si nous souhaitions tous voir Sébastien répondre de ses actes. Rien ne sera plus pareil sans lui. Rien que le fait d'être ici, dans la crypte, sans Sébastien me paraît étrange. Je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça. J'espère que nous avons fait le bon choix. Je l'espère aussi. Tu as pu dire à Sébastien que Rookwood avait jeté un mauvais sort à Anne ? Oui. Black m'a laissé parler à Sébastien avant son départ. Au début, il refusait d'y croire. Puis il a fini par comprendre. Malheureusement, cela n'a fait qu'attiser sa colère contre les gobelins et les mages noirs. Anne était choquée également, mais soulagée de savoir qui était responsable de son sort. Je pense que ça lui a enlevé un poids des épaules. Tant mieux. Elle mérite de connaître la paix. C'est vrai. Sébastien était mon meilleur ami.
J'ai du mal à imaginer Poudlard ou tout autre endroit sans lui. Je sais que vous étiez proches. Que votre relation ne se limitait pas à la recherche d'un remède pour Anne. Il ne m'a jamais donné de détails, mais je sais que tu comptais pour lui. Il comptait... Il compte beaucoup pour nous deux. J'espère que nous pourrons le lui dire un jour. Je sais que nous sommes partis du mauvais pied, mais tu as su me prouver ton amitié. Je suis heureux que tu sois à Poudlard. Professeur Weasley, vous vouliez me voir ? Oui, nous n'avons pas eu l'occasion de discuter depuis... Je sais que le professeur Fig et vous étiez très proches. L'école ne sera plus la même sans lui. Non, c'est certain. Mais je peux vous assurer qu'il voudrait vous voir avancer et qu'il serait en paix de savoir que l'avenir du monde des sorciers est entre des mains telles que les vôtres. Merci, professeur. Ce fut une année intense pour vous, à Poudlard comme en dehors. J'ai entendu toutes sortes de rumeurs à votre sujet. Vous avez chevauché un grappe-corne, sympathisé avec un gobelin, sauvé des hippogriffes. Et vous avez même aidé Monsieur Ollivander à retrouver la baguette de sa famille. Comment le savez-vous ? Il est plus difficile qu'on pourrait le croire de garder des secrets ici. Je suis ravie que vous soyez aussi proche de Miss Onaille. Je pense que sa mère partage ce sentiment. Bien que je désapprouve le fait que vous preniez les choses en main quand il s'agit d'hommes tels que Rockwood et Harlow, votre courage mérite d'être salué. Merci, professeur. Le sujet est clos. J'aimerais maintenant que l'on parle de votre guide du sorcier. Pourrais-je le voir ? Bien sûr. Pensez-vous, professeur ? Vous avez eu beaucoup à faire cette année. Il semble que vous ayez presque terminé de remplir votre guide du sorcier. Je vous félicite. Je suis ravie de voir que vous avez si bien travaillé à l'approche de vos buses. Je dois vous avouer que j'ai eu un bon pressentiment lors de votre arrivée tardive à la cérémonie de la répartition. Je suis ravie de constater que je ne me suis pas trompée. Quand j'y pense, cela fait un an seulement que vous êtes avec nous. Et vous allez déjà passer vos buses. C'est tout bonnement incroyable. Merci, professeur. Merci pour tout. Je vous en prie. J'ai hâte de voir ce que vous nous réservez pour la suite. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été.
Je me demande qui y vit. Revelio. Est-ce possible? Une épreuve de saut. Aurait de quoi être fier.
Réveillon. C'est épuisant de passer la journée à... Oh, ce n'est pas le genre de fête où l'on fait cavalier seul. Impossible de savoir ce qui se tapit là-dedans. Ah ! Réveillon. Réveillon.
Revelio. Je me demande qui vivait ici. C'est gentil à vous de passer. Revelio. Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit où venir sans personne. Revelio. Ça fait bien longtemps que je n'ai rien trouvé à Brasenay.
Revelio. C'était un joli butin. C'est toujours une affaire. Revelio. Les créatures des environs dormiront un peu plus sereinement. Revelio. Finissons-en avec Arlo. Je veux en finir avec Arlo une fois pour toutes. Quel est ton plan ? J'ai reçu un hibou de Madame Beakle. Elle voulait savoir si nous avions trouvé des informations sur Arlo. Elle m'a suggéré de demander des preuves à l'un de ses amis près de la pointe du manoir. Mais elle nous a dit de rester en dehors de tout ça. Elle était plutôt catégorique. Précisément. Arlo sait qu'on a sauvé Archie. Et aussi Monsieur Rabe. La lettre ne venait pas de Madame Beakle, j'imagine. Non, je ne pense pas. Arlo a l'intention de nous tendre un piège. Mais maintenant, on a l'avantage. On peut se préparer. On n'a rien à envier à Arlo et il le sait. C'est pour ça qu'il a recours à de tels subterfuges. Il est temps de passer à l'action. Je suis d'accord. Finissons-en. Fantastique. Le règne de Arlo se termine aujourd'hui. On devrait peut-être informer l'officier Singer de nos projets. Je lui ai déjà envoyé un hibou pour l'informer que nous suivions une piste que nous a donnée Madame Beakle. Tu as peur qu'elle le dise à ta mère ? Je suis sûre qu'elle lui dira, mais tant pis. J'en ai assez de me cacher. Ma mère doit comprendre que tant que les serpents cendres menaceront tout le monde, je serai en danger aussi. Revelio ! Je les poursuivrai jusqu'à ce qu'ils n'existent plus. Et je pense qu'elle le sait. Tout comme toi. Oui. Fais attention à toi. Arlo est probablement dans les parages. Je sens qu'il est là, tout près. Où est-il ? Je ne sais pas. Inspectons les environs. Tu vas le rattraper. La petite Natsa Yonai est son acolyte d'une loyauté insupportable. Savez-vous à quel point vous avez ébranlé mes intérêts commerciaux ? Mais je pense que ça mérite d'être souligné. Ce qui n'était qu'une petite gêne est devenu étonnamment problématique. Fort heureusement, j'ai toujours eu un talent pour me débarrasser des problèmes. Adieu.
de potentiel. Cachy. Confine sur nous. Expelliarmus. Tu es sûre d'être en état de recevoir des visites? Oui, maman, je me sens mieux et j'ai envie d'un peu de compagnie. D'accord. Mais ne te fatigue pas trop, Natsai. C'est promis, maman. Revelio. C'est Georges, j'en suis sûre. Qui est Georges? C'est Georges. En route pour de nouvelles aventures? On venait de devenir Animagus et on était dans un pré rempli de moutons. Tout s'éclaircit. Ce que vous avez ici. Ah, quel plaisir de te voir ici. Plus généralement appelé. Georges! Quel soulagement de voir que tu vas bien. Je vais mieux que j'en ai l'air. Je suis là parce que ma mère a insisté. Juste au cas où. J'étais soulagée quand elle m'a dit que tu allais bien. C'est à toi que je le dois. Comment tu te sens? Eh bien, j'ai connu mieux, mais Madame Blaney dit que je reprends des forces. Je regrette, Nati. Tout est ma faute. Quoi? Non, tu n'as rien à te reprocher. Quand j'ai vu Arlo pointer sa baguette sur toi... Tu as simplement suivi ton instinct. Je suppose que j'ai agi par instinct. Oui. Je ne pouvais pas le laisser te faire du mal sans rien faire. Alors je ne dois pas me sentir coupable? Bien sûr que non. Tu n'aurais rien pu... Oh! Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fallu tant de temps pour le voir. Il a fait un choix. Il s'est fié à son instinct. Tu sais... Tu n'es pas plus coupable de mes blessures aujourd'hui que je n'étais coupable de la mort de mon père à l'époque. D'après ce que je sais de lui, ton père et toi avez beaucoup en commun. C'est très gentil de ta part. J'espère que tu as raison. Tout ça était vraiment incroyable, non? Une bataille ici même à Poudlard et tout ce que nous avons dû faire pour éliminer Arlo et le reste de la bande de Rockwood. Mais nous avons réussi. Rockwood est mort, Arlo est en chemin pour Azkaban et le reste de la bande a pris la fuite. Certains d'entre eux sont encore dans le coin à se battre pour leur cause perdue. Mais les plans de Rockwood ont échoué. Tout le monde est plus en sécurité à présent, grâce à nous. Grâce à toi. Merci, mais nous formons une belle équipe. Ta compagnie a fait de ma scolarité à Poudlard l'une des plus belles expériences de ma vie. Merci. Ton amitié est sûrement l'une des plus importantes de ma vie. Merci de me rendre visite.
C'est toujours un plaisir de te voir. Ce sont des enfants qui résolvent nos problèmes. Et dans quel monde vit-on ? Revelio. Un emploi du temps strict. Revelio. Ça leur éviterait d'entrer et sortir de la tour à toute heure. Ah, qu'est-ce
Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Révélio. Les créatures sont heureuses de mourir pour que je gagne quelques mornilles. Rocours ne se rendra pas si facilement. Les vieux sauts. Révélio. Se rendra pas si facilement. Arrêtez au moment de Révélio. On ne trouve rien à Bourgaren, sauf ce ne sont que tu as le sang de Morgane. Bon,
ma place. Revelio. Réduction. Confringo. Tu vas me tuer. Tu es encore plus facile à repérer qu'un éruptif. Je savais. Oh, tu étais vraiment immonde. Vous dites qu'ils sont apparus lorsque vous avez placé la pierre de lune. Savez-vous pourquoi ? Ou ce que ça signifie ? Est-ce qu'il y a un rapport avec les vivets ? Le savoir d'une personne peut être aussi vaste que l'océan, mais aussi peu profond qu'une flaque d'eau. Quel plaisir de vous revoir, Doran. Poppy vous a-t-elle raconté tout ce qui s'est passé ? Oui. Et je suis heureux de voir que vous êtes de retour indemne. Je me suis demandé s'il était sage de vous envoyer sur cette voie, à un moment où elle était au mieux inconnue, au pire, mortelle. Mais la clairvoyance des centaures n'est ni personnelle, ni partiale. Les cieux nous disent ce qui est à venir. Et souvent, nous ignorons ce que nous avons vu jusqu'à ce que cela se produise. Vous saviez que les braconniers essaieraient de nous tuer, Poppy et moi ? Je l'ignorais, mais je dois dire que cela ne m'a guère surpris. De la même manière que je m'attendais à notre première rencontre. Vous pourriez peut-être commencer du début. Cela nous serait certainement utile à Poppy et moi. Bien sûr. C'est souvent le meilleur endroit où commencer. Il y a de très nombreuses lunes. J'ai prédit une série d'événements. Sa signification m'a longtemps échappé. Jusqu'à ce que vous me parliez des vivets et des braconniers. Je pense que le symbole créé par la danse des Vaudelunes marque l'endroit où se cachent les vivets. Par chance, je crois savoir où se trouve cet endroit. Continuez, je vous prie. Je n'ai vu ce symbole qu'une seule fois, sur un rocher des falaises de la forêt. Vous devriez vous dépêcher. Les vivets qui y sont depuis tant d'années ne sont peut-être plus en sécurité. Vous dites avoir prédit une série d'événements avant que nos chemins se rencontrent. Lesquels ? J'ai vu l'arrivée d'un inconnu, la menace d'un ennemi et le retour d'un vieil ami. Je crois deviner que vous êtes l'inconnu. Les braconniers sont l'ennemi et les vivets sont les vieux amis. J'ai également vu deux endroits liés à ces événements.
la grotte avec la pierre de lune et le cromlech. Ce dernier était éclairé par la lune. Comment êtes-vous sûr que le symbole marque l'emplacement des vivets ? Ce n'est pas quelque chose que je sais. Je l'ai lu dans les étoiles. Le destin suit son propre cours. Je ne suis qu'un humble messager. Mais la fortune est de notre côté aujourd'hui. Le fait que je reconnaisse le symbole que vous me montrez n'est pas une coïncidence. C'est le destin. Si vous avez raison au sujet de cet endroit, nous devrions y aller. Je vous retrouverai là-bas. On ne peut pas se permettre de perdre à nouveau les vivets. Revelio. Rebellion.
Rebellion. C'est remarquable. J'ai fait aussi vite que possible. Tu vois le symbole au-dessus de l'entrée ? C'est celui que les Veaux de Lune ont fait au Cromlech. Bien sûr, Doran l'avait suggéré, mais de le voir là-haut... Est-ce que ça pourrait être l'endroit où les vivets sont cachés ? Eh bien, on va voir. Doran nous attend non loin d'ici. Alors, allons-y. Tu arrives à y croire ? Des vivets en chair et en os ! Revelio ! Je suis ravie de voir qu'on a une longueur d'avance sur les braconniers. C'est bizarre qu'on ne les ait pas vus. Avec un peu de chance, ils continuent d'examiner les recherches de grand-mère. Et ils ont quoi faire. De toute façon, Doran était là pour nous guider. Même si les braconniers finissent par trouver cet endroit, on devrait être partis depuis longtemps. Ah ! Bonjour. J'espère que nous ne vous avons pas fait attendre trop longtemps, Doran. Pas du tout. Cela dit, ce n'est pas moi qui vous attendais. Avez-vous la pierre de lune ? Oui. Parfait. Elle est tout aussi importante pour la suite que vous deux. Que se passe-t-il ensuite ? À quoi servent ces piliers ? Un dispositif de sécurité, j'imagine. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Et... vous savez peut-être mieux que quiconque comment procéder. Si les piliers peuvent bouger.
Ça a peut-être un rapport avec la lumière et les ténèbres. J'ai bien peur de devoir vous quitter. Du moins, pour le moment. Vous ne venez pas avec nous ? Si les vivets sont bien ici, le troupeau de centaures voudra sûrement le constater par lui-même. Surtout Elec. Continuez sans moi. Je vous rejoindrai dès que possible. Regarde les fresques sur les murs. Confine-toi ! Cet endroit a dû être construit pour les protéger. Ils n'avaient rien à craindre. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Le camp de braconniers était toujours oppressant. C'est dur à expliquer, mais la tension était palpable. Du moins pour moi. J'éprouve un sentiment de sécurité et de calme ici. Tout l'opposé du camp de braconniers. Il y a tellement de livres. Ce n'est rien comparé aux recherches de ma grand-mère. Révélio. Ça paraissait trop beau pour être vrai. Comment sortir d'ici ?
Ingenio. Très ingénieux. Regarde cet endroit. J'espérais revenir avant qu'il ne soit trop tard. Tout va bien. Mais si vous n'étiez pas arrivé à temps, je les ai conduits jusqu'ici, Doran. Vous avez combattu à nos côtés contre votre espèce. Je suis heureux d'en avoir été témoin. Je crois maintenant tout ce que Doran m'a dit. Ce sont ceux que j'ai vus, Elec. Finis ce que tu dois faire. Tous les événements que tu as prédits ne se sont pas encore produits. Désormais, il ne nous reste plus qu'à rompre le sort. Vous voulez qu'on le fasse ? J'ai toujours souhaité qu'il soit en sécurité, c'est chose faite. L'honneur te revient. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, et dès que le monde apprendra qu'ils sont réapparus... Il ne leur sera fait aucun mal. Les centaures vont s'en assurer. Faites-nous confiance. Merci, Doran, de nous avoir aidés à les trouver, et aussi de vous battre pour eux. C'est à toi que revient tout le mérite, jeune fille. Tu as fait ce que les braconniers ne feront jamais. N'oublie jamais ça. Thank you.
Vous avez combattu avec courage. Nous allons prendre le relais maintenant. Doran, si vous êtes d'accord, j'aimerais rester et passer un peu de temps avec les vivés. Rebellion. Lumos.
rébellion. Si tu veux mon avis, toute la curiosité des jeunes gens. Les mêmes coupures. Confingo. Monsieur Hadley, auriez-vous un moment ? Pour vous ? Toujours. Votre réputation vous précède. Y a-t-il des rumeurs intéressantes qui circulent ? La fugitive a enfin disparu, nous sommes tous soulagés. Mais ne parlons plus d'araignées. Le calme est enfin revenu. Enfin, autant que possible, compte tenu de l'état actuel du monde. Que proposez-vous à la vente ? Vous aimerez ça, j'en suis sûr. Merci pour votre visite. Revenez vite. Ah, la pourfendeuse de la fugitive. C'est un plaisir de vous revoir. Vous n'imaginez pas la joie de la fille de Milo de récupérer cette montre. Vous nous avez débarrassé de cette effroyable acromantule près d'Arancher, n'est-ce pas ? Pauvre Marie, victime de sa propre cupidité. Mais elle ne méritait pas d'être tuée par ces araignées. On croit connaître les gens. Clémentine Willardsey vous a demandé de suivre ses papillons dans la forêt interdite. Excellent choix. Ravi de faire affaire avec vous. Merci de votre visite. N'hésitez pas à repasser. Si quiconque s'en prend à moi, je l'embrocherai comme un licheur. Les créatures sont faites pour être. J'ai entendu personne. Réveillons. Je ne sais plus si j'ai
installer mes pièges à Campolar en haut ou à Campolar en bas. Allô, Mora. L'endroit a connu des jours meilleurs. Je pourrais me charger de tâches plus utiles que le guet. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde fait autant d'histoires avec le braconnard. J'aimerais avoir un poste confortable à Gringotts. À rester à la journée. Même si ça risque d'être un peu... Rebellion. Je ne me souviens plus si j'ai installé mes pièges à Campolar en haut. Quand les nuages sont noirs, c'est le meilleur moment. Résulto ! Confingo ! Si tu veux mon avis, Poudlard a bien de la chance d'être entouré de sortilèges de protection. Si tu ne sors pas. Résulto ! Confingo ! Protego ! Action ! Rebellion.
Fringo. Penchant près. Ah, viens par là, petite approche. Attention à ne pas. Les vieux sauts. Côté gauche. Abandonne-toi. Les vieux sauts. Que sois tranquille. C'est en puissant près. Je veux peut-être que je te repose. Les vieux sauts. Arrête tout de suite. Voilà.
après la fleur de la vie qui fait des Expulso. Venez, regarde ce que tu as fait. Tu vas te Thank you.
Connaissant Amit, il est sans doute venu étudier ici. Réveillon. Rebonjour, Miss Wolf. Rebonjour. Que puis-je faire pour vous? Y a-t-il des rumeurs intéressantes qui circulent en ville? Vous nous avez débarrassé de ce fangieux incontrôlable. Oh, nous vous en sommes très reconnaissants. La vie peut enfin reprendre son cours. Qu'avez-vous à vendre? Oh, ça va vous plaire. Je vous le garantis. Merci de votre visite. J'espère vous revoir bientôt dans ma boutique.
Tout va bien à présent. Je veillerai bien sur toi.